Tant Queen, bon match à tous. Côté sera assurément surveillé du côté des... Guité, attention à l'espace pour Émile Guité, là. Guité, freine, attend de l'aide, il n'y en a pas. Remet derrière pour Korneïev qui vient l'appuyer à la dernière seconde. Korneïev envoie devant, c'est bloqué, le retour! Quelle arrête de nos dépend de Loïc Uzerot qui a pu marquer des buts, là, présentement. Alors, mais quand même un beau travail de Korneïev, alors qu'on voit la reprise, il a d'abord été accroché par Benjamin Vigneault, mais quelques instants plus tard, continue sur sa séquence. Gosselin, à Uzerot, son tir sur réception, l'arrêt, le retour et le but! Ça semble être... Eh bien, Charles-Antoine Lavallée, je crois que... mais bon, on verra bien. On le voit d'ailleurs à la reprise vidéo. Non, ça ne semble pas du tout ça avec... Ça semble bel et bien le... Le bâton, là. Le bâton, oui. On veut valider si un joueur des remparts est touché à cette rondelle. Ce qui... Non, c'était Charles-Antoine Lavallée. À Uzerot. Uzerot, une passe devant pour Lavallée. C'est dévié. Tente-t-il retourner le but? Émile Guité qui marque. Et Charles-Antoine Lavallée obtient un autre point. À son premier match avec les Sacs. Antoine Donneau. Et fin marqueur, là, Émile Guité était là. Est-ce que c'était nécessairement volontaire la remise de Charles-Antoine Lavallée de l'autre côté? Qu'importe, quand même, là, grosse soirée dans le cercle pour Félix Gagnon. Et on sent qu'Émile Guité a hâte d'en marquer un but là, de la sorte là, sur un tir franc. Wang veut couper dans l'enclave. Belle fin d'Alex Wang. Ils avaient quand même, on voit la reprise vidéo là, d'ailleurs, la remise. Qui laisse à Thomas Desruisseaux. Desruisseaux pour le compte du côté droit. Desruisseaux, il y a de l'espace devant pour Vermette. Son tir, l'arrêt, le retour. Le disque, ça va derrière le filet. Gosselin récupère le long de la bande. Gosselin veut passer devant. On allait dévier. Straquant un tir, le but. On avait parlé en début de période. Le début de période allait être important. Et les remparts marquent pour une première fois aujourd'hui. Et demi de jeu. Ben, c'est Andreas Straka qui va enfiler l'aiguille. Rondelle perdue qui s'est retrouvée dans le cercle des mises en jeu. Alors, hein, une rondelle libre, un petit revirement est vite arrivé, comme on le disait. Et c'est ce qu'on a vu sur la séquence. Goyette veut pousser vers le centre. Ça lui revient. Goyette tente de pousser pour lui-même devant. Goyette, son tir, c'est bloqué par Précourt. La rondelle qui a voulu suivre là-dessus et s'est retrouvée. Uzerot s'avance, envoie pour Train. Il y a de l'espace. Colby Train, son tir. La rondelle qui glisse. Le disque était tout près du but. Le retour. Flirtait dans le demi-cercle de Louis-Antoine Deneau. On va le voir à la reprise vidéo. Une belle séquence. Ouch! Ouch! Direct sur le visage de son coup. Terminé, on joue à 5 contre 5. Il y aura une nouvelle pénalité. L'officiel Boudreau qui a levé les bras. Victoire des Sacs, 3-1 sur les remparts de Québec. Une deuxième victoire consécutive.